Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pas le journal créatif, non, c'est un podcast tricot. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et là, il y avait quand même des petites choses à redire en plus du journal créatif. Voilà. Donc c'est dimanche, je vous ai expliqué que j'avais des gros problèmes avec deux de mes tricots. Bon, j'ai résolu un problème. Le deuxième, le cache-cœur, le fameux pull cache-cœur, je n'ai pas encore trouvé 5 minutes pour voir où était mon erreur ou quoi. Alors, je rappelle. Pour le cache-cœur, on va le sortir, et du coup je l'ai enlevé les aiguilles, mais je l'ai mis sur une aiguille comme ça là qui garde les mailles, voilà. Ce que je me suis dit sans savoir quand est-ce que je vais voir ce qui va pas. Je vais reprendre mes aiguilles et comme ça, si j'en ai besoin, je pourrai m'en servir. Voilà, alors ça c'était un demi devant. Voilà. Et le problème que j'ai, c'est que, alors, on m'a corrigé dans mes commentaires, c'est vrai. J'avais mal calculé, 4 x 6, ça faisait pas 18. Ça fait bien 24. 24 et normalement, il devait me rester encore 15 diminutions à faire alors que je suis arrivée à la hauteur totale, moins les dernières diminutions pour l'épaule, mais je suis arrivée à la tout en haut. Et donc, il faut que je mette de côté 24, donc 1, 2, 3, 4. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. Et du coup, il me reste tout ça. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, j'ai 15 diminutions. Donc là, j'ai deux mailles en trop, mais la hauteur, je l'ai déjà. Alors, j'ai pensé un truc. Est-ce que, du coup, je vous dis, j'ai pas calculé. Hein. Mais est-ce que je me serais pas plantée dans mon dos? Ça se peut, pourquoi pas. Donc ça, c'est le dos. Voilà. Je vais remesurer le dos également, voir si je l'ai fait à la bonne hauteur. Pourquoi pas? Parce que ça se peut que... Mais quand je vois là l'emmanchure, je me dis normalement, j'ai dû bien faire, mais bon. Je dis peut-être que je l'ai fait trop court aussi. Je sais pas. Mais bon, le cache-cœur... ça, je vous en reparlerai. Je vous l'ai dit, hein, si je ne le fais pas maintenant, je le reprendrai, mais après les fêtes. Mais bon, j'ai bien trouvé ce qui ne va pas. Et là, du coup, bon, j'ai recalculé. Je suis en train de perdre des mailles. Comment j'arrive à perdre des mailles sur là-dessus? Alors. Il est maudit, mon pull. Voilà. Donc je vais bientôt recalculer, puis on verra. Mais je vous en reparlerai. Donc ça, c'était un modèle fil d'art. Hop, on va remettre ça en place. Alors, deuxième problème que j'avais, j'ai attaqué un nouveau pull.
Moi, je l'avais appelé pull diamant parce qu'il se tricote avec le fil diamant de chez Fil d'Art. Donc, le fil diamant de chez Fil d'Art. Alors, je n'ai même pas encore rangé mes pelotes. Hop, voyez, elles sont toutes là. Alors ça, c'est une que j'avais pris en plus parce que je croyais que je n'allais pas en avoir assez pour mon gilet. Mais du coup, je n'en suis pas servie. Donc, le fil diamant, c'est celui-ci. Vous voyez, il brille. Et quand j'ai fait mon gilet, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, j'ai tricoté avec deux fils de fil diamant. Donc, j'étais avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Et du coup, c'était un peu plus léger à tricoter. Mais là, j'ai tricoté en 3,5, comme le modèle le préconise. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec, en faisant si fin. Donc, j'ai dû... Alors, je vous avais demandé lors de la dernière vidéo, lors du journal créatif, qu'est-ce que vous auriez fait. Donc, presque toutes, vous m'avez dit, le mieux, c'est de le démonter et de refaire avec une autre laine. Alors, c'est ce que j'ai fait, enfin, c'est ce que j'ai commencé à faire, de le démonter. Parce que, regardez-moi ça, regardez-moi. Elle se mélange, elle est tellement fluffy que je sais pas, elle m'embête cette laine. Elle me fait des nœuds, elle me fait hop. Et donc j'ai commencé à démonter, mais c'est pareil quand je démonte. Regardez, vous voyez, là ça accroche. Donc, il faut que je tire. Voilà, vous voyez. Voilà, il faut tirer. Et c'est comme ça à chaque fois. C'est pas coincé dans les mailles. Hein. C'est le... Voilà, ça, vous voyez, ça tient. Qui coince. Voilà. Tous les 2 cm, je suis obligée de le faire. Bon, des fois, ça va tout seul, mais voilà. Hop, là, ça recommence. Alors, bon, je vais quand même le continuer à le démonter parce que je ne veux pas perdre la laine. Hein, donc. Là, je remettrai bien la laine en place. Parce que là, bon, elle n'est pas bien mise. Il y a des nœuds, il y a... Une catastrophe. Je verrai ce que je vais faire de cette laine. Là, du coup, j'ai 5 pelotes complètes comme ça et une que j'ai utilisée. Alors, j'ai peut-être envie de m'en servir quand même, mais du coup, de la tricoter avec un autre fil. Et puis je ferai, je sais pas moi, un châle ou quelque chose comme ça, je sais pas encore, je verrai. D'abord, il faut que je trouve à quel fil je vais la tricoter. Puisque celle-là, elle est fluffy, donc il me faut un fil de laine normale hein, ou d'acrylique normale. Puisque de toute façon, celle-ci, c'est de... polyester et acrylique, voilà. Je sais pas, il faut que je regarde. Bon, faut pas une laine trop épaisse quand même, parce que je veux pas non plus un truc trop épais. Peut-être un genre comment on appelle, pingo. Il y a la pingo first, mais elle est peut-être un peu épaisse pour ça. Bon, je regarde, j'ai des pelotes en haut qui sont assez fines
Et il faudrait que je vois que ça aille aussi avec la couleur. Parce que là, c'est couleur guimauve. Vous voyez pas beaucoup la couleur là, mais c'est guimauve, c'est un rose pâle. Donc voilà, du coup je l'ai démonté. Enfin, je suis en train de démonter difficilement. Et là, ben, je verrai ce que je ferai avec. Si j'avais eu encore voilà, cette couleur là par exemple, j'aurais fait quelque chose avec. Sinon j'avais pensé à faire un peu comme mon gilet que j'ai fait avec cette laine là, mais le faire en modèle pull, pourquoi pas, mais bon, on verra. Si vous avez des idées avec quelle laine je peux j'ai l'impression que celle-ci, c'est la même, hein. C'est la couleur qui change, elle est plus douce que celle-là. Celle-là, elle me paraît moins douce, et pourtant c'est la même laine. Là, les... Vous voyez ? Là, on dirait qu'elle est plus compacte. Donc, je sais pas pourquoi. On verra bien. Si je fais rien avec, je la revendrai et puis voilà. Je trouverai bien. Alors, du coup, le modèle que je voulais faire avec cette laine, voilà, bon, certaines d'entre vous l'ont vu, hein, peut-être même beaucoup d'entre vous, puisqu'avec le journal créatif, je le montre déjà, c'est ce modèle-là. Voilà, donc c'est un modèle assez simple, juste qu'il y a un petit empiècement là devant, un petit peu ajouré. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai regardé ce que j'avais, hein, dans ma tricothèque, et j'ai trouvé, alors il y a là, quoi, justement. La Pingo First, voilà. Alors, elle a, pour ainsi dire, les mêmes caractéristiques. Enfin, elle est équivalente à cette laine-là. Quand vous allez sur le site de Fil d'Art, vous pouvez cliquer sur tableau des équivalences. Vous tapez la laine que vous voulez échanger et on vous donne plusieurs laines et également le nombre de pelotes, puisque si vous changez de laine, vous aurez besoin très certainement de plus ou moins de pelotes pour faire votre ouvrage. Alors là par contre il m'en faut plus, je ne sais plus si c'est 12 ou 14. Bon, si c'est 12 c'est bon, je les ai. Si c'est 14, il faudra que j'en recommande 2, mais ça, c'est pas très grave, puisque la Pingo First, en plus, elle n'est pas chère. Hein. Et il en faut plus, parce que les pelotes sont moins longues. Donc, celle-là... Elle fait 280 mètres. Et celle-ci, elle en fait 149. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut plus de pelotes. Mais sinon, niveau échantillon, c'est pareil. Hein. Alors, l'échantillon ici. Ouais, 23, 31. Et là, c'est 32, 24. Bon. C'est kiff-kiff. Hein. Voilà. Donc, j'ai recommencé le pull donc avec cette laine-là. Donc, c'est la couleur lin. Et voilà où j'en suis pour l'instant. Alors, moi, je tricote en aiguille droite. Hein, je suis traditionnelle. Ça fait peut-être bizarre, hein, parce que maintenant, on voit plus d'aiguilles circulaires que d'aiguilles droites. Mais bon, enfin, je parle surtout dans les vidéos. Donc voilà,
Bon, là, j'ai pas de problème, hein, ça se tricote tout seul. Là, j'en suis arrivée à 8 rangs de jersey. Et je suis à. Alors, j'avais marqué les côtes, il fallait faire 5 cm. J'ai fait 14 rangs pour les côtes. Voilà. Donc maintenant, ça va se monter tout seul. Hein. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà. Alors j'ai l'impression seulement qu'elle est tout petit peu plus épaisse, mais c'est juste une impression, je pense, parce que l'autre, elle est quand même assez fluffy. Donc, mais bon. Mais celle-là, j'ai déjà tricoté avec. Je sais qu'elle est très bien. Donc voilà. Pour ce petit pull qui va monter tout seul, enfin tout seul avec mes petites mains. Un petit peu à la fois. Bon, la vidéo va pas être très 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 longue hein, parce que j'ai pas énormément à vous montrer puisque mais je voulais faire absolument une petite vidéo en plus pour vous dire ce que j'avais fait avec mes tricots. Donc je vous ai écouté, j'ai changé la laine et pour l'instant du coup ça va très bien. Ensuite donc le cache-cœur est de côté, celui-là est refait et viens là, toi. J'avance bien. Voilà. J'avance bien sur le pull à chouchou. Alors, attendez, j'ai oublié de mettre un embout sur l'aiguille. Dans ma petite boîte, vous l'avez déjà vu hein, dans les unboxings. Vous voyez, j'ai tous mes embouts d'aiguille. On va mettre celle-ci. Alors j'en ai pour des grosses aussi. Vous voyez, celle-là, c'est pour les grosses aiguilles. C'est des petites pattes de chat. Je les avais eues chez Pandal. Bon, ça vient ou ça vient pas? Alors des fois j'ai du mal à la refermer, mais ça va. Voilà. Donc, du coup, je range tous mes petits embouts d'aiguille là-dedans. Comme ça, je ne cherche pas après. Voilà. Alors, l'endroit de l'envers, c'est ici. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai encore avancé hein, depuis le journal créatif. Vous voyez, j'en étais là. Donc j'ai fait tout ça. Donc ça, c'est fait avec la laine Calinou, voilà, de Bergère de France. Alors ici, là, vous voyez, ouais, vous voyez mieux la couleur. Et c'est la couleur laque. Voilà. Donc celle-là, elle avance bien, malgré que c'est des fines aiguilles. Mais la laine s'y prête vraiment. Donc, alors ça. Pour celles qui ne le savent pas, c'est un débardeur pour chouchou. Donc là, il y a une pelote de fait, voyez. Une pelote et si je ne me trompe pas, 22 cm. Voilà. Donc voyez, ça mange pas beaucoup de laine quand même. Hein. J'ai fait un bon morceau avec une pelote. Et donc, je vais vous remontrer le modèle pour celles qui ne savent pas. Je vous remettrai très certainement dans la vidéo des photos, hein, de toute façon. Voilà, un petit débardeur tout simple en jersey. Juste ce qu'il faut. Donc ça, j'aime bien. Voilà, ça avance bien. J'ai hâte que le dos soit terminé pour que je puisse commencer bas le devant et comme ça après il me restera plus que les finitions, c'est-à-dire les bord-côtes du haut des manches et le bord-côte du col, en sachant que c'est un
Oui, c'est un pointu. C'est pas ce que je préfère, mais bon. C'est pas très grave. Ah, bah tiens, je cherchais mes explications. Parce que je voulais me faire. J'ai la laine et tout. Hein, j'avais acheté, j'ai déjà acheté la laine. Je voulais me faire un pull comme ça. Un pull marinière. Bon, je sais que c'est pas les pulls, c'est pas le pull idéal quand on est ronde, mais voilà. Donc ça, c'était avec la, c'est un modèle bergère de France, et on le fait avec la laine idéale. Voilà. Donc c'est une fine laine également, puisque ça, ça va se tricoter aussi en 3, 3,5. Mais bon, ça, je verrai quand est-ce que je le ferai. Donc voilà, dans les modèles que j'ai terminés, alors là je ne les ai pas sur moi, là c'est un pull, ça c'est un vieux pull d'action. je vais vous remontrer un petit peu au fur et à mesure. Donc depuis que j'ai, depuis un mois et demi, j'ai terminé 3 ouvrages. J'ai terminé donc ici en premier le petit top, pareil, c'est un top rayé. Que j'avais fait en coton 50, c'est du Bergère de France, mais ça n'existe plus, maintenant c'est remplacé par le 100% bio coton ou coton bio, enfin je, mais il y a 100% dedans. Le 50 lui n'existe plus, j'en ai encore en haut, donc je verrai ce que je peux faire avec également. Sinon, après, donc là, bah, je vous ai montré le débardeur. J'ai également terminé, bah, du coup, mon gilet. Voilà, mon gilet avec le fil diamant. Donc, celui-là a été fait en 2 couleurs, grenadine et prune. Donc, c'est le même fil que j'ai, le pull que je viens de rater. il est très chaud, il est très doux, il est vraiment très agréable à porter. Et j'ai terminé également ce pull gris, voilà. Donc c'est un modèle fil d'art. Là je n'ai pas le catalogue sur moi, pour, je n'ai plus le nom en tête, mais je vais très certainement vous le remettre à l'écran. Donc ça c'était un pull qui se tricotait aussi avec 2 fils. Un fil un peu mohair, voilà, et un fil... Oh, comment il s'appelle celui-là? Alors il y avait couleur le mohair, enfin le style mohair était couleur givre et l'autre c'était couleur acier, mais je vous remettrai tout à l'écran. Au début, quand j'étais avant de l'encadrer, ça c'est les broderies, avant de le finaliser. Je pensais qu'il allait pas m'aller, qu'il allait être beaucoup trop large, et en fin de compte vous voyez sur moi bah, il est top, hein, ça va. Bon, il est très chaud, donc ça c'est bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà les 3 ouvrages que j'ai terminés. Alors j'ai rigolé, c'est hier je crois, ou ce matin, souvent sur Facebook, vous savez, on a vos souvenirs, voilà, de, et là j'avais des souvenirs d'il y a 7 ans qui réapparaissaient dans mon fil d'actualité, et c'était des tricots que j'avais commencé, donc il y a 7 ans et plus, et dont je n'ai plus de nouvelles. Je ne... Mets-toi là. Mets-toi là. Viens, viens, maman. Viens. Allez. Viens. Viens, maman. C'est pas chat. Hein. Allez, viens là. Pas chat. Viens, maman. Bon, ben reste là. ouais, donc c'était des tricots que j'ai fait donc il y a 7 ans et plus. Et puis, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Je les ai jamais terminés. Et, mais j'ai dû les perdre sûrement ben, lors d'un déménagement ou je sais pas,
Ils ont disparu de la circulation. Bon, ça arrive, hein. Je sais que le violet là que vous avez vu, c'était pour faire un pull. Le multicolore là, orange, jaune, vert, ça c'était un gilet coton. Voilà, c'était un bergère de France. Et l'écharpe, alors je sais plus où j'avais eu le fil, mais c'est les écharpes frou, une écharpe froufrou, voilà. Mais je ne sais plus où j'avais eu ce fil. Voilà. Sinon, bon, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, mais une demi-heure là. J'ai toujours mon projet. Alors, quand je l'ai montré, quand j'ai fait faire le sondage pour savoir quel pull je devais faire, par lequel je devais commencer, j'en ai plusieurs quand même qui. Tant mieux. Fais trop tard mes vidéos. J'en ai quand même plusieurs qui m'ont dit que il n'était pas top 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 ce pull. Bon, moi je l'aime bien, voilà. Et puis bon, c'est vrai que chacun a ses goûts, hein. J'aime bien avoir l'avis de tout le monde, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Alors, il est tac, tac, tac. Je vous remontre la laine. Alors, tout est encore dans la boîte. Avec les travaux qu'il y a eu à la maison, j'ai pas encore pu ranger tout comme je voulais. Voilà. Hop. Donc, là voilà. Vous voyez, en plus, elle est super belle, la laine. Elle est vraiment très très belle. Elle est moirée, dorée. Elle est très très douce. Alors, ben, déjà par son nom, hein, c'est la cocooning, voilà, de Bergère de France. Donc, je verrai. Bon, je pense que je le ferai quand même, hein, ce pull. Je vais bien regarder avant les explications, voir que j'ai pas de piège. Que je n'arriverai pas à faire, on sait jamais, mais normalement, bon, je vous remets la photo. C'est un pull quand même qui n'y a pas de grosses complications dessus. Donc, quand j'avais commandé la laine, j'ai eu également la fermeture éclair, puisqu'il faudra faire une fermeture éclair. Donc, voilà, je l'ai ici. Donc, je l'avais aussi chez Bergère de France. Donc, j'ai tout pour le faire. J'ai les explications. J'ai la laine. J'ai la fermeture éclair. Donc, je pense quand même que je vais la faire. Et vu l'épaisseur de la laine, de toute façon, ça se tricote en 6, 6,5. Vous voyez, c'est quelque chose qui va monter assez vite. Il va juste faire attention parce que le plastron, il y a comme un dessin, comme vous avez pu voir. Et donc, il ne faut pas que je me plante à ce moment-là. Donc, juste faire attention à ça. Mais, c'est juste des points arrière, des points arrière. Des points, si. C'est du jersey et un point en vert, voilà, par arrière. Donc de l'endroit et de l'envers, c'est ça qui va faire le motif, voilà. Donc voilà, donc celle-là je la commencerai bien sûr, mais bon, je vais d'abord bien avancer l'autre pull. Voilà, et je pense que dès que j'ai terminé le dos, tout au moins, j'attaquerai celui-là également. Voilà. Hop. Bon, je pense que cette semaine, je vais tout ranger mes laines en haut, toutes celles que j'utilise pas. ensuite, une dernière petite chose.
Alors, en plus j'ai mal au bras aujourd'hui. Bon, et puis je suis fatiguée aujourd'hui parce que on a été faire nos vaccins. Donc là, alors la grippe, le Covid. Du coup, deux vaccins en même temps, il fallait les faire. Désolée pour le bruit. Ouais, je mets comme ça. Alors, ça, c'est des laines. Je sais pas si je vous les ai montrées dans une des vidéos. Non, je crois pas. Je crois pas. Bon, enfin. Bon, si je vous l'ai déjà montré, c'est pas grave. Ce sera pour celles qui ne l'ont pas vu. J'ai un groupe vide atelier sur Facebook, c'est-à-dire qu'on y vend, on revend tout ce qu'on ne veut pas garder, donc matériel de loisirs créatifs, des broderies, du fil à tricoter, de tout. Voilà, tout ce qui se rapporte aux loisirs créatifs. Et il y avait une membre de mon groupe qui revendait de la laine. Voilà, alors, oups, ça se défait. Du coup, je l'ai acheté. Bon, elle me l'avait pas vendu cher, je ne sais plus combien, mais c'était pas cher du tout. Bon, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais je l'ai trouvé rigolote. Par contre, je referai peut-être les bobines parce que là, ça c'est en train de se débobiner. Alors, la marque Flower Color Four Seasons et Grundel. Voilà. Bon, ça doit être une marque allemande, je pense. Oui, c'est écrit tout en allemand, donc ça doit être une marque allemande. Alors voilà, vous voyez, ça se débobine, il va falloir que je le rembobine avant. Donc voilà ce que ça fait. Il y a des morceaux, vous voyez, où ça fait des grosses parties. Ben là, c'est le bout, je crois. Ouais, on doit être au bout. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs dessus. Il y a du violet, du rouille, du doré comme ça, voilà, du vert un peu. Oups, voilà. Donc j'en ai deux. J'ai deux pelotes comme ça. Bon, je sais qu'il n'y aura pas assez pour faire une écharpe, parce que pour une écharpe, ils en préconisent. Alors, pour une écharpe de 160 sur 17 cm, donc 1m60 sur 17 cm, il faut 300 grammes. Et ce sont des pelotes de 100 grammes. C'est dommage, il m'en aurait fallu une troisième. Mais du coup, c'est pas très grave, je vais m'en arranger. Je vais peut-être tricoter avec une autre laine, vous savez, faire un genre de rayure. Je vais voir ce que je vais faire. Ou peut-être l'intégrer aussi dans un châle, pourquoi pas. Mais j'aime bien, elle est douce. Voilà. Donc ça, j'en ai deux. Et ensuite, alors là, je dois en avoir une dizaine, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Donc là, j'en ai une dizaine. C'est des petite pelote comme ça, voilà. Ça, c'est quoi? Alors, j'ai plus la marque dessus, je ne sais pas pourquoi, parce que toutes les marques ont été retirées. Mais je sais pas si c'est, je crois que ça devait être du fil d'art. Voilà, je crois que ça devait être du fil d'art. Mais toutes les marques ont été retirées de toutes les pelotes. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Donc c'est la couleur orangeade. Même le niveau de la dresse. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche.
Donc ça se tricote en 3,5, 4. Alors, c'est... Je cherche... Ah, voilà. C'est 77% de polyamide et 23% d'acrylique. Voilà. C'est pareil. Bon, ça se tricote quand même avec des aiguilles bon, 3,5, 4. Donc, on va dire même 4. J'en ai une dizaine. Alors, pareil, peut-être aussi l'intégrer dans un châle avec une ou deux couleurs en plus, par exemple un blanc et puis un orange, ou je sais pas, voilà. Déjà que je trouve un modèle, mais il faudrait que je trouve un modèle de châle tout simple à faire. Et que je puisse faire donc en aiguille 4, et je l'intégrerai donc avec une ou deux couleurs différentes. Voilà, je verrai. Là, j'en ai une dizaine. Voilà. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est rigolo comme laine. Alors, ça paraît très très fin, hein, vous voyez, ça paraît vraiment très très fin. Mais bon, ça se tricote en 4. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera. J'essaierai de faire peut-être un petit échantillon avant. Et je verrai après ce que je peux en faire. Donc voilà. Bon, la vidéo, comme je vous ai dit, elle n'aura pas été trop longue, hein. Je crois qu'elle devrait faire 3 quarts d'heure. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais c'est vrai qu'en tricot, moi, j'ai beaucoup moins à vous dire. Je fais pas de chaussettes, je fais pas de circulaire. Voilà. Bon, peut-être un jour, je m'y mettrai. Des chaussettes, je sais pas. Pourtant, j'ai tout le matériel pour faire. Puis en circulaire, pareil, hein, j'ai... Voilà, je vous montre. Voilà, j'ai ma petite trou, mon petit sac. Pour les circulaires, et j'ai tout mon matos dedans, et c'est du matos de marque, c'est pas des bon, là il en manque une, faut que je la remette. J'avais cette trousse là, c'était vendu avec 4 paires seulement, mais c'est du Knight Pro en métal comme ça là, voyez, en inox. Mais je trouve qu'elles accrochent un petit peu. J'ai essayé, hein, quand même. Hein. Je suis pas bête. Hein, mais... Et alors, là, elles ne sont plus dedans. Je sais pas. Alors, j'ai des comme ça aussi. Des Knight Pro Carbone. C'est du 2 mm en 80 cm. J'ai du Knight Pro Nova. C'est du 2,75 mm en 80 cm également. Voilà. Ensuite, j'ai quoi là? Non, ça c'est pas ça. J'ai une grosse trousse comme ça, Knight Pro. Également, et dedans, ah ben là, les voilà ici, c'est ça. Alors, elles sont voilà. J'ai la pochette qui est là, des Knight Pro Zing, du 2,5 sur 25 cm. Je crois que c'est bien, ça doit être cela. Voilà, avec une courte et une longue. Alors, c'est ce qu'on m'avait dit d'acheter pour les chaussettes. J'ai tenté, j'ai pas réussi. Bon, je réessayerai. Hein. De toute façon, je vais pas mourir bête. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai?
Ouais, j'ai des rallonges en plus. Je vous dis, que du Knight Pro. J'ai alors celle-ci en 3 mm, mais en 1 mètre, 100 cm. Voilà. Désolée, ça reflète. Hein. Donc là, c'est des Knight Pro Zing. Là. Toujours là pour les chaussettes du 2,25 sur 25 cm. Voilà, donc avec la petite aiguille et la plus grande. Ici, celle-là, c'est quoi? Knight Pro Symphony. C'est une 2,5 sur 40 cm. Voilà. Alors si je dis, je n'oserais pas dire que je suis pas équipée, hein, je vous jure. Là, c'est les câbles supplémentaires. Ouais, c'est un câble de 120 cm. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais bon. Et ensuite, là, c'est tous les câbles qui étaient vendus. Donc, alors après, ici. Donc, c'est des symphonies, je crois, qu'on dit. Alors, j'ai du 3,5, du 4. Alors, le 4, je l'ai en double, du 4,5. Le 5, je l'ai en double, du 5,5, du 6. Celle-là, c'est du combien? Ah, c'est du 6. Donc, elles sont en double également. Ensuite, j'ai du 2 fois du 7, c'est ça? J'ai du 7 en double et une paire de 8. Donc, vous voyez, c'est cela. Alors, cela, je les avais essayé aussi, mais je les trouve mieux que celles en inox ou en métal. Parce que je trouve qu'elles glissent mieux. Voilà. Mais bon. Alors voilà, vous voyez, je suis équipée. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai toutes les tailles, tous les câbles de toutes les tailles également. Mais je n'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à me lancer. Là, c'est quoi? Oui, c'est encore des câbles. J'arrive pas à me lancer. Pourquoi, j'en sais rien. Voilà, et donc oui, ça là je vous les ai montrés. Il faut absolument que je me lance parce que c'est bête là. Parce que là en plus, il y en a pour du pognon là. Cela et cela, ils étaient chers, hein. Mais bon, cela c'est pareil, hein. Elles n'étaient pas pour rien, donc c'est un peu bête d'avoir acheté tout ça et de ne pas les utiliser. Il faut que j'arrive à me lancer. Je vous dis, ça ne doit pas être plus compliqué, hein, mais je crois que si j'ai tout montré. Ah, mais j'en ai encore là. Ah oui, mais c'est celles que. Celles-là sont montées. Ah ben les voilà, celles en métal. Voilà, je ne les ai pas encore démontées. Alors celle-là, celle en métal, on a quelques. En plus, les tailles, je ne sais pas où elles sont notées. Attends. Ah oui, c'est là, mais c'est écrit trop petit là, je vois pas. Je crois que c'est du 2. Du 2 ou du 3. Et ici, ah ben j'ai une deuxième paire de 8. Voilà. Une deuxième paire de 8. Donc cela, il faut que je les démonte toutes les deux pour les remettre à leur place. Je les avais utilisés pour faire des cols. Voilà, pour faire les cols, j'arrive à les utiliser. Donc, pourquoi j'arriverai pas à les utiliser pour faire un pull? Donc, voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, là, c'est... Ça, je pense que je vous les avais montrés.
ça, c'est mes aiguilles droites. Pareil, Knife Pro. Je les adore. Mais alors, je les adore de fou. Alors, on ne les trouve plus. Sur les sites français, on ne les trouve plus. Oh là là, les poils. bon, là, j'en ai deux paires qui sont à utiliser. Mais voilà. Elles sont vraiment trop top. Elles sont toutes en métal. Ça glisse. Ah, rien qui accroche. Donc ça commence au 2,5. Donc j'ai 2,5, 3, 3,5. Ça, ça doit être du 4. Si je ne me trompe pas, ouais, du 4. Après, j'ai quoi? 4,5, du 5, 5,5 et du 6. Voilà. Donc, c'est les tailles un peu standard. Non, mais je les aime beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est les aiguilles droites. Ça, c'est pareil. Hein, je les avais payées assez cher. Enfin, assez cher. J'avais dû les acheter dans les 60 euros, je crois. Et elles sont sur des sites étrangers, on peut les retrouver, mais elles sont à peu près dans les mêmes prix également. Et moi, je les avais sur Amazon, mais Amazon, ils les ont plus. Sperenza non plus. Sur les sites français, je les trouve plus. Mais elles sont vraiment top. Si jamais vous tombez, vous tricotez en aiguille droite et que vous tombez sur cette pochette, n'hésitez pas, hein. Elles sont vraiment top, top, top. Bon, ben voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer avant d'arrêter. Voilà, petit coup de pub en même temps pour Pandal. Vous vous rappelez que j'avais eu chez Pandal, donc cette boîte. Je ne savais pas quoi en faire encore quand je l'ai eu en partenariat. Et j'avais eu d'autres articles avec. Et dont des marqueurs de tricot. Et du coup, bah, j'ai rangé. Alors, je vais pas vous les montrer un par un, mais voilà, j'ai rangé mes marqueurs de tricot. Donc là, c'est. Je vais en sortir qu'une. C'est les petites vaches. Alors, par contre, les boîtes sont neuves. Donc, elles sont encore un petit peu dures à ouvrir. Mais voilà. Vous voyez, je vous les avais présentées, les petites vaches. Donc, toutes les petites vaches sont dans une boîte. Ici, c'était tout ce qui était chat. Vous voyez, les petites ampoules avec des chats ou avec des petits poissons rouges. Il y avait les tasses également avec les chats. Ah, ben alors. Ah, voilà. Si je n'y prends pas bien. Vous voyez, ce genre-là. Ce genre-là. Donc, c'est avec des. Moi, j'appelle ça les anneaux boucles d'oreilles. Voilà. Il y a un petit cran. Il y a un petit cran ici. Donc, j'avais mis les petits chats. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Là, c'était tout. Après, si, les petits papillons, je crois. Je crois que c'est chez eux aussi. Non, oui, peut-être. Je ne sais plus. Ah, ben alors. Je vous dis, j'ai mal aux mains, j'ai mal partout. J'ai. Je sais pas si c'est chez eux, je les ai eu, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Des petits papillons comme ça, de toutes les couleurs. Vous voyez. Donc, je les ai mis par catégorie de dessin. Et là aussi.
voilà, là j'en ai d'autres, vous voyez, avec des petites boules, des petites marguerites, des petits moutons, voilà. Et après, d'autres que j'ai eu dans d'autres boutiques, hein, mais voilà. Alors, ceux-là, non, je les aime pas. Je pensais pas qu'ils étaient comme ça. Mais je vais les changer. Parce que regardez l'anneau, comment il est. Il est énorme. Voilà. Bon, et puis après, les autres, c'est pas des ceux que j'ai eu chez Pandal. Mais c'est pas très grave. Voilà, vous voyez. Là, c'est ceux en bois. Et ça, c'est des ceux que j'ai fait moi-même. Voilà, ça fait longtemps. Ceux-là aussi, je les avais fait moi-même. Bon, ça, j'ai mis un crochet, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, mais j'aime bien cette petite boîte. Du coup, je vous remettrai en barre d'infos le lien de, bah, pour avoir la boîte et également le lien de... des marqueurs et du coup chez Pandal, oui, voilà ce que j'avais eu également, voyez ça, les petites pattes de chat pour mettre au bout des aiguilles, voilà. Donc je vous remettrai tous les liens, je sais plus si j'ai un code promo chez eux, je regarderai, je vous le dirai, enfin je vous le marquerai en barre d'infos. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo impromptue vous aura plu quand même. Je vous dis, moi en tricot, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vais me débrouiller là déjà avec mon sac d'erreur, parce que là, dans ce sac-là, j'ai mis mon cache-cœur. Et j'ai mis celui que je dois finir de démonter. Donc, celui-là, c'est rien. Il est mis de côté pour l'instant. Là, je vais terminer. Enfin, je vais continuer le pull débardeur de chouchou. Je vais continuer mon pull que je viens de changer la laine. Et par la suite, après, je commencerai certainement le pull camionneur. Donc, va là-bas. Viens là, maman. Il veut aller réveiller son copain. Oh. Je commencerai certainement le pull camionneur, mais avant je vais faire tout le dos de mon pull que je suis en train de faire avant de commencer un autre, je pense. Voilà, on va faire comme ça, on va être raisonnable. Que ça, plus les broderies, plus le DP, voilà. Mes journées ne sont pas non plus à rallonge. Voilà. Tu dis au revoir? Non. Allez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je refais de temps en temps des podcasts, dites-le moi. Si vous avez des conseils à me donner, allez-y. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus pros que moi en tricot que moi. Donc, allez-y. Et puis, bon, je vous promets que... Enfin, quand, je ne sais pas, mais je vous promets que je vais essayer de me mettre... d'essayer au moins de faire un pull au circulaire. Les chaussettes, je sais pas, hein, les chaussettes pour l'instant, je verrai. Mais on va déjà essayer d'attaquer un pull, mais bon, pas tout de suite, je verrai. Voilà, ça, je vous dis, en plus j'ai un bouquin pour commencer le circulaire avec un modèle de pull qu'on peut décliner. Donc je pense que je vais me baser sur ce livre pour apprendre, parce que là il faut vraiment que j'apprenne, voilà. Et puis j'espère que ce ne sera pas du chinois pour moi, voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.